Bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Excusez-nous pour ce retard non voulu. Hein, et il y avait des choses à régler en amont. Et voilà. En tout cas, merci pour votre compréhension et surtout pour votre patience. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette soirée, tous ces hommes et ainsi que toutes ces femmes, Seigneur, qui sont connectées ce soir. Nous te bénissons pour toutes les belles choses que tu nous permets de vivre. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père. Amen. Voilà, donc hier, on était à Caen. On avait un programme, un séminaire là-bas, un séminaire chrétien qui s'est très bien déroulé. Merci en tout cas aux frères et sœurs de Caen, du Mans, qui étaient là aussi, et de pas mal d'endroits. Et qui sont venus pour participer à ce programme. Et le Seigneur nous a véritablement encouragés, touchés, fortifiés. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous, notamment hein, ce couple qui a eu à cœur de louer cette salle. Que le Seigneur se souvienne de vous. En tout cas, nous sommes beaucoup touchés par votre sollicitude pour l'œuvre du Seigneur. Mais en tout cas, que le Seigneur soit béni. Merci. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Elisabeth. Elisabeth, quel âge as-tu ? 15 ans. 15 ans. Tu les as eus à combien de temps ? Il y a 7 mois. Il y a 7 mois. Ça va faire 8 mois le 15. D'accord. Oui. Ok. Et Elisabeth, tu as un témoignage à donner. Mais avant de donner ton témoignage, nous allons lire un passage des Écritures. Et nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Chapitre 2, nous lirons le verset, les versets 46 et 47. Acte 2, 46 à 47. Merci à l'équipe technique pour cette grande, ce grand professionnalisme hein, que vous avez. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple. Et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Dieu amène ses enfants dans les assemblées que lui-même a établies pour qu'ils soient sauvés, c'est-à-dire délivrés, guéris, restaurés. Alors nous allons rapidement, si c'est possible, l'équipe technique, aller dans le lexique pour aller vérifier le verbe sauver ici. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens quand ils vont dans certaines assemblées, ils ne sont pas, mes amis, sauvés, ils ne sont pas délivrés, aidés. Ils sont beaucoup plus blessés, dépouillés, arnaqués, violés. Hein, et ça va être le témoignage justement de notre sœur. Voilà, Actes chapitre 2, verset 47. Pardon. Chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés, donc on clique sur « sauver ». Voilà, juste pour votre information. Et bien sûr, c'est Sozo. Et on descend, s'il vous plaît. Voilà, sauver, garder sain, sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction. Hein, voilà, donc sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre des maladies, le guérir, lui redonner la santé. Lui redonner la santé. Voilà, donc il est question tout simplement ici, bien sûr, de la restauration. Hein, donc la restauration de l'homme. Donc voilà une des missions de l'Église. Hein, l'Église du Seigneur a reçu la mission de restaurer les gens malades. Il y a plusieurs types de maladies. Vous avez des maladies spirituelles qui ne sont pas, bien sûr, curables par des moyens physiques, médicaux et tout ça.
et vous avez des maladies physiques, des maladies d'origine microbienne, virale, tout ça, qui nécessitent bien sûr des soins auprès de, des personnes compétentes, notamment des médecins. Voilà. Donc, et Dieu n'est pas contre, bien sûr, la médecine, parce que nous avons dans les Écritures des gens qui étaient médecins, notamment Luc, hein, qui a écrit les livres de Luc et les Actes des Apôtres. Et donc, l'Église a reçu cette mission-là. Il y a des gens qui ont des problèmes, des maladies psychologiques et qui ont besoin d'être aidés, hein, encouragés, tout ça, fortifiés, et avec la parole qu'ils reçoivent. Et malheureusement, comme vous le savez, beaucoup, quand ils vont dans certaines assemblées, je ne dirais pas toutes les assemblées, parce qu'elles ne sont pas toutes, mes amis, paganisées, malades. Il y a des assemblées, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais il y en a quand même. Il y en a qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne connaît pas, mais qui se battent pour plaire au Seigneur. Il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des dirigeants qui sont corrects, qui aiment le Seigneur et qui se battent pour aider les autres. Mais malheureusement, la majorité de ces pasteurs cette majorité s'est complètement paganisée. Et hein, parmi eux, vous avez beaucoup des voleurs, des truands, des violeurs d'âmes, et qui sont là, qui se servent de leur position, de leur autorité, de la confiance que des gens leur font pour nuire, pour nuire aux autres, pour les dépouiller, les violer. Alors, raconte-nous un peu comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as dit. Donc, tu es chrétienne. Yes. Voilà, donc le micro. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans la période de octobre à mars, j'ai fréquenté une église. D'accord. On m'avait conviée. Et une église en région parisienne. Une église en région parisienne, c'est d'accord. Ça. D'accord. Et en décembre 2016. Décembre 2016, le 23. Je me suis fait abuser. Donc, par, tu as été. On t'a recommandé cette église. On m'a recommandé cette là-bas. Église. Je suis partie là-bas. D'accord. Je n'ai pas vraiment approuvé. En fait, je n'aimais pas vraiment, mais j'ai fini par y aller, devenir régulière là-bas. Mm-hmm. Donc, j'ai été intégrée dans la chorale, tout ça. Mm-hmm. Et le 23 décembre, je pensais aller à la répétition et malheureusement c'était un guet-apens qu'on m'a tendu. Donc, par le chef de la chorale. Par le chef de la chorale, exactement. Il est pasteur en même temps. Il est pasteur entre guillemets, enfin il prêche des d'accord. fois. Donc, voilà. Il est pasteur, chef de la chorale. Exactement. Donc il est plus chef de la chorale. Ok. Donc il avait envoyé un SMS à tout, enfin je pensais à toutes les choristes, donc pas seulement à moi, que il allait avoir une répétition, donc il comptait sur la présence de chacun à Villejuif en fait. Donc notre point de départ c'était Villejuif. D'accord. Et en fait moi je partais là-bas, donc je partais là-bas dans, je pensais que c'était vraiment la répétition. D'accord. Et je suis partie. Et malheureusement, je me suis fait avoir. Donc, je suis montée derrière. Dans sa voiture. Il était seul. Il était tout seul. Okay. Il y avait personne. Personne n'est arrivé. Personne. Il y avait personne. Il y avait que nous deux, quoi, en fait. Donc, moi, arrivé en métro, je le vois au loin. Donc, moi, j'y vais. Et je suis montée derrière, en fait, parce que je n'étais pas la plus grande des choristes, j'étais la plus petite. Donc, j'exigeais que, enfin, moi, ma place était derrière, en fait. Donc là, bien sûr, l'année dernière, tu avais 14 ans. Exactement, j'avais 14 ans, je n'avais pas encore 15 ans. Et il me demande pourquoi tu t'es pas assise à côté de moi. Monsieur, il a quel âge? Il a dépassé la quarantaine. Ok, donc marié, père de combien d'enfants? Marié, père de deux enfants. D'accord, avec une femme. Avec une femme enceinte. Et avec une femme enceinte à ce moment-là. D'accord. Donc voilà, qui elle aussi a déjà des enfants issus de précédentes unions. Donc moi j'y vais, tout ça. Et il me demande pourquoi je m'assois pas à côté de lui. Moi j'ai pas cherché à le. Je lui ai dit que c'était pas ma place parce que je suis la plus jeune et ça je me dois de m'asseoir derrière, par respect. Et j'ai à peine eu le temps de terminer ma phrase qui m'a aspergé d'un parfum. Un parfum, enfin moi je pense que c'est un parfum en tout cas. D'accord, un produit en tout cas. Un produit en tout cas. Voilà. Qui s'apparentait au parfum. Exactement. Donc moi j'ai inhalé ce produit-là, il me l'a vaporisé vers au niveau de la poitrine. D'accord. Et j'ai perdu vraiment toutes mes mobilités en fait. J'arrivais pas à crier, j'arrivais à rien faire. J'arrivais vraiment, j'arrivais à rien faire.
mes yeux s'étaient fermés, je savais juste que bon, il conduit à une vive allure, je sais pas, on allait, bon voilà. Et on arrive à l'hôtel. Et il a réussi à vraiment faire quelque chose pour que je marche sur mes deux jambes. D'accord. Donc on est entré à l'hôtel, on est parti à l'hôtel, et arrivé à l'hôtel, moi j'ai vu aucun réceptionniste. Il y avait eu au loin une femme de ménage, mais vraiment j'avais une vue triple. Donc je voyais tout triple. À cause du produit qui m'avait mis. Donc en fait, okay. J'étais vraiment dans les vapes, quoi. Et donc arrivé dans la chambre, je me suis jetée dans le lit, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment au bout, quoi. Et j'ai vraiment dormi. Et donc il m'a déshabillée, du coup. Et il est entré par derrière. Donc il t'a sodomisé. Il m'a sodomisé. Il est entré par derrière vraiment d'une telle force. C'est-à-dire que malgré que je dormais, j'étais sous l'effet de son produit. Donc ça m'a réveillée, en fait. Donc j'ai hurlé et il m'a encore aspergé du produit, donc j'ai encore dormi. Et là, bah, il a fini ce qu'il avait à faire, donc il s'est pas protégé et il a éjaculé. Donc voilà, il m'a laissé sur le lit, là, comme ça. Et peut-être un quart d'heure plus tard, je me réveille, j'ai très très mal derrière. Je lui dis, qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai voulu en prendre à lui, mais il m'a encore aspergé, donc j'ai dormi. Et j'ai dormi là une demi-heure et je me suis encore réveillée. Donc je suis partie, j'ai couru dans la douche histoire de peut-être essuyer cette souillure en vain. Et là tu saignais. Et là je saignais. Il y avait le sperme. Il y avait le sperme qui s'écoulait. Il y avait du sang. Quand j'ai vu ça, j'étais interloquée. Je savais plus quoi faire. Je sais pas, tout m'est traversé par la tête, en fait, j'étais pas bien, je savais plus. Et là, monsieur, il vient me voir, il me dit, oui, dépêche-toi, ma femme, elle a une visite prénatale. Donc il s'est souvenu qu'il avait une femme à la maison qui était enceinte. Après m'avoir violée, ouais. Il me dit, là, tu te dépêches, ma femme, elle a une visite prénatale, donc dépêche-toi. Donc je me suis rhabillée, vite, il m'a largué au métro. Donc j'ai pris le métro, direction la maison. J'arrivais pas à m'asseoir tellement que la douleur, elle était immense, intense. J'arrivais à rien faire. Et quand je suis rentrée à la maison, c'était impossible pour moi de parler, en fait. C'était impossible pour moi, j'arrivais pas. Et pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas parlé à tes parents ? Parce que tu pensais que tu n'allais pas être cru. Je pensais ça déjà. En fait, je savais pas vraiment. C'était vraiment impossible pour moi de parler, en fait, dans le sens où mes parents, ils avaient vraiment beaucoup d'estime pour ce couple-là, donc pour cette personne-là qui m'a fait ça. Et je pouvais pas, j'y arrivais pas. Je me suis dit, je vais commencer comment ? Par où ? Enfin, par où commencer ? Donc, j'y arrivais pas. Et du coup, c'était vraiment un engrenage sans fin. Donc, c'était tout pour décembre. Janvier, là, vraiment, les choses sérieuses, on va dire, ont commencé, dans le sens où il y a eu la rentrée, des classes, voilà. Le 10 janvier, il m'appelle, la même chose, aujourd'hui, tu vas pas à l'école, tu passes la journée avec moi. Je lui dis, monsieur, moi, j'ai un examen, j'ai un brevet à passer en fin d'année, je peux pas, et en plus, je ne sèche pas les cours, c'est pas dans mes habitudes, je ne sèche pas les cours, et je vais pas le faire. C'est pas maintenant, si j'ai pas commencé pendant toutes ces années scolaires, j'ai pas séché, c'est pas maintenant que tu vas me faire sécher. Et il m'a dit, tu fais ce que je te dis, tu viens. Et comme par enchantement, le parfum, enfin l'odeur du parfum du produit qu'il m'avait aspergé lors de la première fois, m'est revenue comme ça. Donc je suis partie. Donc ça m'a fait partir, du coup. Je suis partie, donc j'ai pris la route de chez moi jusqu'à chez lui. Tu es partie chez lui ? Exactement, je suis partie chez lui. Sa femme n'était pas là ? Sa femme, elle n'était pas là, elle était en consultation encore prénatale. Tous les enfants aussi, ils étaient à l'école. Et il était resté avec son fils de 20 mois. Donc voilà, moi j'arrive chez lui. Donc il avait un fils de 20 mois. Il avait un fils de 20 mois, exactement, avec lequel il est resté. Voilà. Et il me dit, quand j'entre, juste à peine, je suis sur le paillasson, quoi, il me dit, oui, apprends, quand je te dis quelque chose, tu t'exécutes. Et il m'a aspergé, il m'a vaporisé. Avec le même produit. Avec le même produit, toujours la même odeur, toujours la même intensité de voilà quoi. Toujours les mêmes sensations, je me sens pas bien, enfin voilà. Et là, il a fait ça avec son fils de 20 mois, toujours la sodomie.
Donc, même chose. Pour la deuxième fois sodomisé. Exactement. Avec son fils dans les bras. Son fils dans les bras. Donc il avait une main où il me tenait et l'autre main où il avait son fils accroché à lui en fait. Donc quand il a terminé, c'est la même chose. Hein. Il se protège pas, il éjacule, voilà. Et là j'ai fondu en larmes, c'était trop. Donc après je suis encore partie, la même chose. Et là, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, c'est plus possible. Mais j'y arrivais pas, en fait. J'y arrivais pas. Et ça a été tout. Donc mon anniversaire, il est arrivé le 15. Monsieur, il voulait carrément que je passe la journée avec lui. Ça, j'ai réussi à m'en tirer, donc j'ai pas, je ne suis pas, on s'est pas vu, quoi. Donc c'était tout pour le mois de janvier. Février, donc le 31 et le 1er, il y avait le brevet. Et le 2, on s'est vu, la même chose. Oui, aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école, tu passes la journée avec moi, machin. Et moi, toujours, sous l'effet de son parfum, moi, je pars. J'y vais, donc je prends la route toujours. Hein, c'est toujours moi qui me déplaçais. Je pars, la même chose. Donc pour la troisième fois, là, c'est la quatrième fois. Là, c'était la troisième fois. C'était chez lui toujours ou... C'était à l'hôtel. À l'hôtel. Ouais, pour la deuxième fois à l'hôtel. Et du coup, ouais, il est rentré comme ça, toujours par derrière. Et il m'a donné un parfum. Donc un parfum où il m'a donné des restrictions. Il m'a dit, oui, personne d'autre à part toi ne doit l'utiliser. Personne d'autre à part toi ne doit le toucher. D'accord. En fait, il devait que être à moi. En fait, personne ne devait même le toucher comme ça, là, le prendre. Il devait que être à moi. Et c'était un parfum d'homme. Moi, j'ai pas vu. J'ai vraiment pas vu. Je l'ai pris. La pure sorcellerie. Exactement. Mmh. Moi, je l'ai pris. Pourtant, d'habitude, je me serais posé des questions parce qu'en plus, il y avait bien écrit dans le. C'était un parfum pour homme, en fait. Mais je me suis pas demandé. Je me suis pas dit, c'est bizarre, pourquoi il donne un parfum d'homme, pourquoi. Enfin, bref, donc je l'ai pris. Et tu as commencé à l'utiliser? J'ai commencé à l'utiliser. Donc ça a duré un bon mois. Entre-temps aussi, c'était encore passé une autre fois. Une quatrième fois, en février, toujours. Et Toujours par derrière, la même chose. Voilà. Voilà. Toujours la même chose. Et ensuite, moi, je mettais ce parfum-là. Donc, même en cours, en fait. C'est-à-dire, j'étais vraiment... Ce parfum-là, il me faisait vraiment un effet pas possible. Moi-même, je pourrais pas dire quel effet il me faisait cet effet, ce parfum, parce que je me sentais toujours obligée de l'avoir sur moi. Je me sentais toujours obligée de le mettre, En fait, j'étais devenue vraiment limite esclave de ce parfum-là, en fait. Donc, voilà. Je l'avais toujours, je le mets, machin. Sa femme, elle a accouché entre-temps, le 26 février. Donc moi, je pensais qu'il allait me laisser tranquille. Hein. Je pensais qu'il allait me laisser tranquille, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour autant qu'il m'a laissé tranquille. Là, c'était limite pire, parce qu'il s'est dit, bah là, sa femme, elle vient d'accoucher, donc il ne peut plus la toucher. Donc c'était moi encore, c'était moi. Donc toujours, il m'appelle, voilà. Carrément, il avait mis quoi ? Il m'appelait. Et excusez-moi du terme, hein, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, oui, mes couilles t'appellent. Donc au téléphone, c'est ce qu'il a dit. Et toujours, la même chose. Je pars, je vais. La cinquième fois. C'était la sixième fois. Ouais. Par derrière, toujours. Donc voilà. Et puis après, il y a eu une coupure. Une coupure de 10 bonjours, hein. C'est pas parlé. Enfin, moi, de toute façon, c'est jamais moi qui lui parlait. C'est toujours lui. C'est toujours lui qui me parlait. Donc, après, il y avait en plus les programmes à l'église. Donc, on n'avait pas le temps. Moi, j'avais pas son temps et il avait pas le mien non plus. Et moi, en plus, c'était bien comme ça. Je pensais au moins qu'il avait compris. Et le 13, il me rappelle encore. Il me dit oui, machin, viens, tout ça. Et moi, en plus, ces derniers. Enfin, je ne partais plus en cours. Aussi, parce que j'étais très très fatiguée. J'étais, malgré que, en fait, il ne m'avait pas déviergée par devant, mais j'étais très fatiguée. Donc, je ne partais plus en cours, j'étais fatiguée, je passais mon temps à dormir. Je pensais clairement que j'étais enceinte, en fait. Je pensais que j'ai du moment qu'il avait éjaculé, pour moi, même si c'est devant, derrière, j'étais enceinte. Et surtout, mon comportement n'arrangeait rien, parce que j'avais envie de manger n'importe quoi. Enfin bref, je pensais que j'étais enceinte. Et du coup, je n'allais plus à l'école. Et là, il m'a appelé, et toujours la même chose. Donc, j'étais sous l'effet du parfum que lui m'avait donné,
et sous l'effet de son parfum à lui. Donc là, c'était encore double peine. Et moi, je vais toujours par derrière, enfin, machin. Après, il me laisse, enfin, je rentre. Et puis, je rentrais tard, hein, parce que quand c'était comme ça, je rentrais pas avant, 21h. Et les parents ne trouvaient pas ça bizarre pour une jeune fille mineure de 14 ans et demi, 15 ans aujourd'hui. Pour les parents, c'était pas... Les parents, ils rentraient déjà à 22h. Ils rentraient à 22h et en plus... D'accord. Non, en fait, puis j'arrivais toujours à me faufiler, en fait. J'arrivais toujours à dire, ouais, non, mais je suis partie réviser le brevet blanc, et machin, voilà, quoi. J'arrivais toujours à trouver une excuse. Et d'ailleurs, je m'en veux, bon, je me suis répandue pour ça. Mais après, la dernière fois... La huitième fois. Ouais, c'était la huitième fois, le 20 mars. Je souris parce que voilà, c'est la dernière fois. Et donc, je suis partie toujours hein, sous son parfum. Et le parfum, entre-temps, deux jours avant, je l'avais vidé. Je l'avais vidé parce que, je sais pas, je... En fait, je sais pas, j'avais eu comme un déclic, je réfléchissais trop. Et je l'avais, j'étais partie dans l'évier, je l'avais vaporisé bah, jusqu'à la fin, en fait. Bon, il restait que deux, trois gouttes. Et il m'appelle, il me dit, ouais, bon, la même chose, quoi, je vais. Je vais. Et là, il me dit d'abord, la première... Première question qu'il m'a demandé, c'est qu'il m'a dit, t'as pas mis le parfum sur toi ? Je lui ai dit non, je l'ai pas mis. Et je dis, ah bah, il me dit, bah, c'est pas grave, j'ai le mien. Donc il me l'a mis. Et c'est là qu'en fait, là aussi, il était entré, hein, il était entré, ben, bon, la même chose, quoi, sodomie pour la huitième et la dernière fois. Mais je sentais, enfin, c'était plus vraiment la même chose, en fait. C'était plus vraiment la même chose. Donc en fait, j'ai su que, c'est là que j'ai su qu'en fait, s'il arrive à m'avoir, c'est avec son parfum. Donc le parfum n'avait plus tellement, n'avait plus d'effet sur toi. Il n'avait plus vraiment d'effet sur moi en fait. Il n'avait plus vraiment d'effet sur moi et surtout quand il m'a dit oui, enfin quand je suis arrivée, t'as pas mis le parfum. C'est là que je me suis dit ah ouais, ça veut dire que si en fait, enfin ce qui m'attire toujours vers lui malgré que j'éprouve énormément de dégoût pour lui, ce qui m'attire c'est le parfum. Et donc après je lui ai dit on a clarifié, je lui ai dit bon clairement est-ce que je peux en placer une. Il m'a dit oui. Je lui dis, t'es au courant que c'est mon corps que tu souilles en fait, enfin voilà quoi. Et il m'a dit, madame qui connaît la parole, vas-y parle. Donc je lui ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je pensais de la sodomie, que c'est ignoble, c'est atroce. Et mon âge, j'ai rappelé mon âge. Il connaît très bien, enfin il savait que je venais d'avoir 15 ans, vu que il faisait partie des personnes qui me l'avaient souhaité. Donc je lui ai dit et toi tu trouves ça normal, enfin voilà quoi, bref on a vraiment, j'étais vraiment énervée, j'étais vraiment très remontée et après je lui ai dit à la fin, je lui ai dit j'espère que ta femme elle va te pardonner. Et là clairement il a vraiment, je sais pas, il a vrillé dans sa tête, il m'a attrapé le poignet gauche, il m'a serré très fort jusqu'à bah, mon bracelet est tombé et après il commençait à me serrer. Moi je le regardais même pas parce que je savais qu'il pouvait pas oser me taper, franchement. Après ce qu'il m'avait fait toutes ces fois, il pouvait pas me taper, franchement non. Et donc moi je regardais pas, moi j'étais dans ma tête, j'étais là, je réfléchissais, je rigolais carrément, je me moquais de lui. Et après je lui ai dit aujourd'hui, enfin si jamais tu lèves la main sur moi là, déjà, tu seras tenu responsable de tout ce qui va se passer dans ce parking en ce 20 mars 2017. Si jamais t'oses lever la main sur moi et si jamais je te rends le coup, tu vas devoir expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi t'es blessé. Et il pensait que je sais pas, genre, je parle en l'air. Moi, je lui ai dit, moi, je suis une fille vraiment imprévisible, hein, faut faire gaffe. Il m'a toujours pas pris au sérieux, voilà, la même chose. Et là, il a vraiment voulu lever sa main sur moi. Donc, je l'ai arrêté avec ma main droite. Et je l'ai plaqué contre le mur. J'étais vraiment très, très énervée. Et je l'ai étranglé, en fait. Hein, j'ai étranglé. Après, comme je voyais qu'il suffoquait déjà, je l'ai laissé. Et je suis partie. Et c'est comme ça que ça s'est... Ensuite, il y a aussi le pasteur... Ouais, le pasteur B. Principal. Ouais, le prophète de... Le patron noyau, de l'église, en fait, le patron de l'église, le patron, donc le fondateur, exactement, qui est aussi est marié et avec qui te faisait aussi la cour. Ouais, exactement. Donc lui, en fait, la première fois qu'il m'a vu carrément, lui, il s'est pas gêné, hein, il m'a fait comprendre que je lui plaisais. Donc moi, j'ai mis un barrage, et puis j'avais dit à mes parents, oui, que lui, il est bizarre. Bon, après, on s'est dit, ouais, peut-être que non, c'est pas grave, c'est un prophète, machin, il peut pas se permettre. Donc on a continué à aller là-bas. Et lui, il m'avait clairement pas caché son attirance. Mais moi, je lui ai mis un barrage direct. Hein. Je lui ai dit, non, non, là, no way, quoi. Non, je veux pas. D'accord. Voilà. On peut avoir, donc, il y avait des SMS aussi, hein, ouais, qu'ils envoyaient, donc les messages qu'on t'a envoyés.
voilà, des messieurs de plus de 40 ans, mariés, pères de plusieurs enfants, et qui vont violer des jeunes filles comme ça. Donc, d'ailleurs, avec tes parents, vous avez porté plainte. Hein ? On a porté plainte. C'est très bien. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les autorités sont établies pour notre bien, nous disent les Écritures. Et c'est une très bonne chose. Donc, ce sont des personnes qui méritent d'être en prison. Et voilà. Voilà, ça, c'est des violeurs comme ça, là. Et c'est nous qui sommes traités de sectes, de faux prophètes, de gourous. C'est le monde à l'envers. Hein ? Voilà. Les gens font leurs bêtises ici et là, et on nous les attribue, et puis c'est nous qui sommes les méchants. On est dans un monde où il n'y a plus de loi. Voilà. Donc ça, ce sont les SMS, hein, les frères et sœurs que vous voyez là, par WhatsApp. Que, ça, c'est qui ? C'est le prophète, le patron de l'église, ou c'est l'autre pasteur là, l'autre... Celui qui m'a fait ça. Donc ton violeur. Mon violeur, c'est ça. Okay. Donc je tiens à préciser que blanc, c'est lui, et jaune... En blanc, c'est lui. Et en jaune, c'est moi. En vert, pardon. En vert, c'est moi. C'est et toi. Le smiley qui rigole, c'est pas ça que je voulais mettre. Je me suis trompée de smiley. Donc, au cas où ceux qui pensent que okay. C'était ce smiley-là, je me suis trompée. Donc, là, il te dit quoi ? Il te dit donc, le 19 mars 2017, tu es déjà parti. C'était un dimanche. À 20h38, ouais. Un homme marié. C'est ça. Je t'ai cherché pour te déposer à la gare de Lyon. Eh bien, dis donc. Alors que la gare de Lyon, elle était fermée à ce moment-là, puisque les stations elles étaient fermées. Donc, okay. Donc, il te dit dommage, vraiment. Il fait tard. Je ne peux pas te voir. Voilà. Ou bien, donc il dit qu'il ne peut pas te voir. En même temps, il te dit ou bien, donc en gros, tu peux toujours venir. Et toi, tu lui dis comme tu vois. Donc comme tu vois, c'était, je répondais, comme il m'a dit, tu es déjà parti. Donc je lui disais comme tu vois. Et le smiley, c'était pas ce smiley-là que je voulais mettre. Mais il fait ou bien, c'est pas ou bien que je répondais. C'est vraiment à tu es déjà parti. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il te dit ensuite ? Ne me dis pas que tu veux une piqûre. Ça veut dire quoi, une piqûre ici ? Là, c'est quoi ça ? Il est médecin, ce monsieur ? Ouais. Il est médecin ? Non, du tout. Okay, c'est quoi la piqûre, alors ? Ben, une piqûre, c'est... La sodomie. Tu veux pas que je te rentre par derrière, en fait. Donc, c'est ça. Et il appelle ça la piqûre. Et il est en liberté, en plus. Voilà, c'est le monde à l'envers. Il continue à faire des victimes encore dans cette assemblée. Donc, et il n'y a aucun article sur lui, ce monsieur. Hein. Ouais. Aucun article sur Internet, sur les journaux. Il n'y a pas de problème. Donc, il est tranquille. Il est tranquille. C'est le monde à l'envers. Voilà. Donc après, je dis, c'est quoi on descend. C'est quoi ton problème, tu lui dis ? Piqûre, c'est quoi dans ton langage ? Voilà. Et là, comme tu vois, tu es vraiment... Voilà. Donc, c'est quoi ton problème, tu lui dis, hein ? Ouais. Piqûre. C'est quoi dans ton langage, en fait ? C'est quoi dans ton langage ? Ouais. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Exactement. Hein ? C'est quoi pour toi ? Tu es vraiment un enfant de 15 ans. Lol. Donc, il se rend compte que tu ne connais pas, exactement. Tu ne sais pas ce que c'est une piqûre. Ouais. Et là, il te dit, effectivement, je me rends compte que tu es un enfant de 15 ans. En fait. Toi qui as plus de 40 ans, ce monsieur-là, pour l'instant, n'a pas mis sa photo, mais bientôt, je pense que je vais finir par la mettre. Je n'ai pas mis sa photo ni le nom de son assemblée parce que l'enquête est en cours. Hein, notre sœur a porté plainte. Donc, pour l'instant, on laisse la justice française faire son travail. Mais après, on va pouvoir le dénoncer avec sa photo, tout ça, bien comme il faut, ainsi que son patron de prophète. Voilà, donc... Ouais. Et ce prophète-là, celui qui t'a violé, c'est un homme, il est originaire de la RDC, hein, du Congo RDC. Exactement. Et son patron, donc le prophète de l'église, lui, il est de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Et donc tu es vraiment un enfant, hein, un enfant de 15 ans, lol. Tu es à quel niveau maintenant ? Hein ? Quel niveau ? Donc qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Donc on comprend. Donc, tu es où maintenant ? Et comme moi, je vais montrer des vues. Voilà. Ouais, donc là, en jaune, c'est qui ? Ça, c'est l'autre pasteur. Ça, c'est le prophète maintenant, le patron. Non, c'est un autre. Un autre prophète là. Encore. Oh, ouais. Donc, il y a plusieurs prophètes dans cette assemblée. Il y a plusieurs prophètes, en fait. Donc, il y a un autre prophète donc, qui te court après. Exactement. Eh bien, ça alors, c'est une église. Et ce n'est pas moi qui lui ai donné mon numéro. Mon miel sucré, donc c'est comme ça qu'il t'appelle. C'est ça. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Mon miel sucré. Donc, je répondais presque jamais. Hein. Ça va sinon voilà. Pour essayer d'étendre, voilà quoi. Hein, voilà. Lui détendre un peu, je lui disais ça. Donc va en fait, sinon. C'est entre prophètes, entre pasteurs, ils se sont dit cette fille-là, il faut que tout le monde se la fasse. Ouais. Elle est facile. C'est ça. Et, elle a 15 ans et puis elle se laisse faire avec le produit là. Comme ça, on va en profiter. Donc ils se sont passés le mot. Voilà. Une bande de violeurs. Hein. Oui ou bien ? Donc, on continue les SMS, là. Hein, comment ? On n'a pas vu ça ? J'ai envie de t'embrasser, oui. Au cours de mon miel, vraiment. Ok, merci, j'ai envie de t'embrasser. Oh, ben, Seigneur Jésus-Christ.
Ce prophète-là, lui, il est marié. Marié avec des enfants. Avec plusieurs enfants. Il chante avec ses belles-sœurs. Ouais. Il chante avec ses belles-sœurs. Moi, en fait. Toi, tu chantes avec ses belles-sœurs. Exactement. Donc, les petites sœurs de sa femme. Voilà. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Et j'insiste encore. Hein, et c'est nous qui sommes traités de faux prophètes, de gourous, sectes. C'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Les gens font leurs bêtises, on les attribue à nous. Et c'est nous qui sommes les méchants. Hein. Donc, c'est le monde à l'envers, mes amis. Voilà les gens qu'il faut vraiment, bien sûr, enfermer. Voilà. Donc là, c'est quoi ici là? Ça, c'est mon agresseur. Ton agresseur, ouais. Voilà. Donc, on ne se parlait plus parce que quand on regarde les dates, c'était en avril. Donc, il t'écrit en avril. Il te dit, ça va. J'avais plus de téléphone, en fait. Tu as fui la piqûre. Ouais. Et continue avec sa piqûre. Exactement. Il est malade, ce monsieur. J'ose me dire, il faut qu'il soit interné, enfermé, interné. Voilà. En psychiatrie. Donc, là, c'est quoi? Ça, c'est toujours... Toujours lui Non, c'est l'autre. C'est l'autre prophète. Ouais. De tout à l'heure. Celui tout à l'heure qui avait envie de m'embrasser. Pas pour quelque chose, c'est quoi? Pas pour te choquer. Te choquer. Si ça t'a blessé, désolé, c'était pas mon... C'est-à-dire qu'en fait, comme il disait qu'il avait envie de m'embrasser et que moi, j'avais pas répondu, j'ai mis « ah ouais » et après, j'ai plus répondu. Et c'est-à-dire qu'en regardant l'écrit honoraire, en fait, il voyait que peut-être j'avais vu, mais il envoyait toujours ses messages, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il disait « pas pour te choquer, désolé ». Ensuite, il dit « si tu veux, je vais t'apprendre aussi. » T'apprendre à embrasser, quoi. Hein, je suis trop fort, trop fan de toi. Voilà. Je suis trop fan de toi, ben dis donc. Ben, donc Seigneur, un pasteur Jésus. Qui prêche la parole, fan de moi, bon, je sais pas ce que j'ai. Ah mais... ben ça, ça c'est quand même terrible. Des violeurs, hein, des pédophiles, ce sont des pédophiles en fait. Hein. Ouais. Voilà, une église de pédophiles. Hein. C'est ça. Et, Là c'est qui ici? C'est le même, c'est toujours c'est lui. C'est toujours le même prophète là. Mmh. À ton avis, hein, c'est qu'un homme fait avec une femme pour avoir un enfant, donc suis à Paris. Mmh. Tu peux encaisser le cognement. C'est quoi le cognement? Hein, la sodomie, le viol. Non, ouais, voilà. Donc je pense que lui encaisses. Voulait par devant en fait. Mmh. Donc, Seigneur Jésus-Christ. Et heureusement, ils ont, en tout cas, parce que l'enquête est en cours là, on aurait mis leurs photos et donc, je serais parti là-bas avec l'équipe de TV de vie hein, pour aller les voir là. Tu peux faire l'amour avec moi? Ça c'est qui? Ça c'est toujours lui. Toujours lui. Chose, ouais. Le Seigneur même, Jésus. Marié, hein, père de Marie, ouais. Prophète. Ouais. Et ça viole les jeunes filles et ça va prophétiser dans l'assemblée. Exactement. Voilà. J'espère que tu as porté plainte contre tous ces prophètes aussi. Hein. Non, lui, j'ai pas. En fait, j'ai pas. Parce que dans le sens où on s'est pas vu hors l'église, okay. J'ai pas porté plainte, mais je pense que si. Je pense que okay. Lui aussi, il mérite aussi. Ça, c'est qui? C'est toujours lui. Toujours lui. Il me fait un poème. Il appelle mon amour, je t'aime, ouais. Aime-moi. Hein, aime-moi ce jour, enfante l'amour, caresse mon âme, allume ta flamme. Aime-moi ce soir, offre-moi l'espoir au bout du couloir, s'estompe le noir, rechauffe mon cœur d'une main, douceur, donne-moi ton eau, caresse ma peau, allume l'étoile d'une nuit sans voile, embrasse mon sein d'un baiser satin. Ça, c'est vraiment là. Il est de quel pays ce monsieur-là? Côte d'Ivoire. Mmh. Il y a beaucoup de poètes apparemment. Ouais. Hein. Donc aujourd'hui, là, c'est le monde à l'envers, hein, carrément. Là. Et là, c'est donc, qui là encore? C'est toujours lui. Toujours lui. Il t'appelle quoi? Une chatte? Une chatte. Hein, une ouais, chatte. Es-tu ouais. prête pour faire l'amour avec moi? Réponds à ma question. Hein, quoi? Bref. Donc là, tu le réponds donc, bref. J'ai mis bref, ouais. Voilà. Et c'est. Ouais. Mais en fait, ils t'ont transformé pour vraiment la prostituée de l'église. Quoi. C'est ça. Hein, Et le prophète principal aussi, lui, en fait, c'est comme ça qu'il fait. Donc, avec toutes les filles. Ouais, avec toutes les filles. Avec... Femmes mariées, confondues, il les passe dessus. Waouh. Il les passe dessus. Donc en fait, moi et ma mère, on est les deux seules sur qui il n'est pas passé, en fait. Donc, comment va, tranquille et toi? Mais pourquoi toi aussi tu pouvais pas arrêter cette discussion, la dialogue là avec? Ouais, je pensais qu'en fait il allait me laisser tranquille en fait. Peut-être si je répondais froidement, il allait me laisser en fait. Alors, moi c'est ce que je pensais. Ça va à part que tu ne me décroches plus. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Hein et, ah bon? Ben si je vois pas tes appels, je veux pas répondre. Oui, mais même en absence, non du tout. J'ai jamais vu. Quand c'est comme ça, il faut dire carrément tu es un pédophile. Tu vois? Parce que là, c'est jouer à leur jeu, c'est alimenter leur folie là. C'est hein, les jeunes filles qui nous suivent là, ne tombez pas dans ce genre de piège. C'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire là.
Il faut tout de suite dénoncer ça. J'y arrive plus, je veux en parler à mes parents. Donc ça, c'est toi qui en parles, hein, qui a écrit. Ouais. Donc, c'est très bien. Hein, donc, ils profitent de la faiblesse des jeunes, notamment des mineurs comme ça. Hein, qu'est-ce que tu as encore ? Tu l'appelles plus, tu l'appelles plus, pourquoi ? Donc en plus, ça, il a dit, pourquoi ? C'est lui, c'est... Toujours le prophète ? Non, c'est ton violeur. Ouais. Et en plus, tu l'appelles pourquoi ? En plus, moi, je sais jamais moi qui l'appelais. Mais je sais pas pourquoi il a mis ça. En fait, il a mis ça parce que, ouais, c'est jamais moi qui l'appelle en tout cas. Donc, Waouh. Bah, on voit mes réponses après. Waouh. C'est terrible, mes amis, les choses qui se passent dans les assemblées. C'est terrible. Si tu penses que c'est des menaces, si tu penses que c'est des menaces en l'air, c'est faux. En vrai, j'en ai parlé à certaines personnes. Il y a des gens qui sont au courant de notre histoire. C'est bon, hein, c'est bon, je n'en peux plus. Voilà. Donc là, j'imagine ta souffrance. Hein, et c'est quand même incroyable, mes amis. Voilà, je ne sais pas, vous qui nous suivez, hein, si vous avez à cœur de réagir, hein, donc vous pouvez le faire maintenant. Et là, une jeune fille de 15 ans, 14 ans, hein, elle arrive dans cette assemblée à 14 ans, et croyant recevoir de l'aide là-bas, auprès des dirigeants, des pasteurs, et malheureusement, ben, elle est devenue voilà, une poupée sexuelle, leur objet sexuel, et leurs choses, voilà. Donc, ce qu'ils se partageaient entre eux, entre personnes adultes, parents, pères de plusieurs enfants, mariés, hein, et bien sûr, et dans la quarantaine. Et voilà, profiter de son statut de pasteur, de dirigeant pour manipuler et contre la parole du Seigneur, contre la bienséance, contre, bien sûr, la volonté du Seigneur. Voilà. Donc, je pense que ces hommes qui ont des enfants n'aimeraient pas que leur fille soit violée comme ils l'ont fait à notre sœur. Et tu as quelque chose d'autre à dire, à part ça ? À part les jeunes filles, quand vous allez dans les églises, faites gaffe, faites attention. Et priez d'abord, parce que c'est la première chose à faire. Quand vous ne sentez pas quelque chose, n'allez pas, que personne ne vous force. Que personne ne vous force, en fait, parce que vous êtes mineur, parce que oui, c'est les parents, parce que comme tu es mon enfant, tu es encore mineur, tu viens encore chez moi, viens, voilà. Il faut vraiment demander à Dieu de vous guider, parce que moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être je demandais la vie, enfin bon. Je pense que si je passais un peu plus de temps dans la prière, en fait, un peu plus d'intimité avec Dieu, je pense que le Seigneur n'aurait pas permis que je me retrouve là-bas et que je commence à devenir régulière là-bas et jusqu'à ce qu'il se passe ça, en fait. Et surtout les parents, ça c'est un conseil que je veux donner aux parents également. Et n'imposez pas à vos enfants la prière. C'est ça. On n'impose pas la prière aux gens. On n'impose pas la fréquentation d'une église aux enfants. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Après, on va vous traiter de secte gourou et ça retombe sur les autres, ça retombe sur les vrais enfants de Dieu, les vrais pasteurs. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Vous ne pouvez pas obliger vos enfants d'aller voir des pasteurs parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, des parents qui demandent à leur fille d'aller dans cette assemblée, qui lui mettent limite la pression, même la pression. Et la fille se retrouve là-bas. Maintenant, on la jette en pâture, hein, donc dans la gueule du loup, et sodomiser 8 fois. Violée 8 fois, et c'est quand même terrible. 15 ans, à 15 ans, elle a vécu ça. 15 ans, dans une assemblée, dans une église, là où l'amour est censé être manifesté, là où on est censé protéger, défendre, n'est-ce pas? Et comme on l'a lu dans Actes 2, 47, Dieu a envoyé les gens dans les assemblées, a ajouté les gens dans les assemblées pour être sauvés, c'est-à-dire pour être guéris, restaurés, fortifié, encouragé. Et là, maintenant, ça détruit, ça casse, ça brise, hein, des vies. Et heureusement que tu as porté plainte,
Parce que quand c'est comme ça, vous avez des chrétiens qui sont soi-disant spirituels, qui vont déconseiller les gens de porter plainte, alors que les autorités sont là pour notre bien. Ouais. Hein? Donc, c'est le monde à l'envers, et, mes amis. Et je dis bien, c'est parce que l'affaire est en cours, hein, parce que la famille a porté plainte, notre sœur a porté plainte. Sinon, on allait mettre la photo de ces violeurs, mais de toute façon, après la décision du tribunal, je vais devoir quand même balancer leurs photos et tout ça. Là, parce que diffuser leurs photos pour que les gens les voient et qu'ils fassent attention à eux pour ne pas tomber à leur piège. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô? On n'entend rien du tout, l'équipe? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On augmente encore un peu le son, là, parce que le retour, l'équipe. Bonsoir, ma sœur. J'ai pleuré, franchement, un enfant. Dieu m'avait révélé à deux reprises. J'ai fréquenté une assemblée. Le Seigneur m'a demandé de sortir avec tes enfants. Moi, je ne savais pas pourquoi. En fait, c'est à peu près la même chose qui s'est produite dans toutes ces assemblées. Et Dieu te fortifie, ma soeur. Merci. Sois encouragée. C'est pas moi, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette force, ce courage pour témoigner. Et franchement, nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps. Sois fortifié, ma soeur. Sois encouragé. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, hein, c'est que des parents chrétiens ne doivent en aucun cas menacer leurs enfants si jamais ils ne les accompagnent pas dans les assemblées. Dieu n'est pas un dictateur. Voyez, la leçon que des parents dignes de ce nom doivent tirer, c'est ça. C'est-à-dire, vivez la parole, les enfants seront touchés. Ne les menacez pas, ne levez pas la main sur vos enfants sous prétexte que le Seigneur vous demande de les éduquer comme ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Et après, ça va, on va donner une mauvaise image aux inconvertis, hein, aux gens de ce monde qui vont nous traiter de tous les noms. Et voilà, donc c'est vraiment des leçons à tirer. C'est important. Vous amenez vos enfants, vous les jetez dans la gueule du loup et ils subissent ces choses-là. Et c'est des vies qui sont brisées à 14 ans et demi, sodomisées 8 fois par le chef de sa chorale, hein, donc, qui prêche, un prédicateur, un pasteur. Hein, et qui va être ensuite courtisé par le prophète fondateur de cette assemblée et par un autre prophète qui prêche aussi dans cette assemblée. Tout ça, vous avez pu voir les textos qu'ils envoyaient à cette jeune fille, hein, donc mineure, violée par ses pasteurs de plus de 40 ans, père de plusieurs enfants. Vous vous rendez compte, hein, on lui pulvérise un produit au visage qui va l'endormir, lui faire perdre ses moyens, tout ça, sa mobilité. Et on l'amène dans un hôtel pour la sodomiser, on l'amène encore dans un autre hôtel, et ensuite dans les voitures, dans sa voiture parfois, non, sur un parking, dans un parking, ouais, tout parking ça, et chez lui avec son enfant de 20 mois dans les bras, alors que sa femme qui est enceinte à terme était partie voir son médecin, et une visite prénatale, et lui il en profite de faire venir la jeune fille chez lui pour la violer de nouveau. Avec dans son bras, hein, dans son bras droit ou gauche, je ne sais pas, hein, son enfant de 20 mois et l'autre bras, il était en train de faire ses affaires, de sodomiser la sœur, tout ça avec. Vous vous rendez compte, mes amis, là, de ce qui se passe dans les assemblées chrétiennes, soi-disant? Et je dis bien, c'est nous que l'on traite de sectes, de gourous, de faux prophètes, de magiciens. C'est le monde à l'envers. Et ce sont ces gens-là qui sont ces faux pasteurs, qui sont dans les fédérations d'autres pasteurs, qui se couvrent les uns les autres, hein? Et ceux qui ne sont pas dans ces fédérations, on les traite de sectes, hein, de méchants, attention. Et c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Hein, et ces soi-disant journalistes qui ne font pas d'investigation, hein, qui veulent faire du buzz, qui tombent sur des faits comme ça, sans prouver, sans preuve, et ils vont attaquer, attribuer, n'est-ce pas, ces comportements inappropriés, hein, des comportements inappropriés de ceux qui se disent chrétiens, victimes, à des gens qui n'ont rien à voir avec leurs histoires-là. C'est vraiment le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Hein?
Moi, personnellement, je vois déjà les attaques que je subis depuis des années à cause de la vérité, parce qu'on prend position pour défendre ces choses. Et quelqu'un qui fait des bêtises quelque part, on va dire non, c'est Chora qui est derrière. Hein, c'est tes vœux de vie. Hein, c'est comme si... c'est le monde à l'envers. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est comme un Français qui va faire n'importe quoi. On va dire c'est le président qui l'a poussé à faire cela, parce qu'il est Français. C'est le monde à l'envers. Je veux dire à tous ces journalistes aussi, faites bien vos investigations, allez vous renseigner. Hein, cherchez pas à faire le buzz, tout ça, parce qu'il faut produire, il faut vendre. C'est le monde à l'envers, c'est la confusion généralisée. Voilà. Voilà les problèmes qu'il faut traiter. C'est ça qu'il faut vraiment dénoncer. Voilà. Donc, ça nous fait mal parce que nous avons des enfants. Moi, mon fils est né à 18 ans, hein, le deuxième à 15 ans, le même âge que toi. Voilà. Donc, ça fait mal d'entendre de telles histoires. C'est une vie qui est brisée, qui est détruite. Voyez ? Voilà. Donc, on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Donc, on a un problème avec le standard. Je pensais que c'est désinvolte de répondre comme ça et c'est aussi une façon de désamorcer les choses parce que moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là et de répondre aussi simplement que la façon dont elle a répondu, c'est aussi pour se dire que, ben, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que c'était pour dire, désamorcer un petit peu parce que je me disais, mais si jamais je réponds sur la défensive, si jamais je réponds avec ce que je ressens vraiment, et je me suis dit que la personne va venir chez moi, va frapper à ma porte, va m'harceler davantage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça peut paraître... Les gens qui pensent que sa façon de répondre était un peu légère, il faut savoir aussi que c'est une façon aussi de se préserver, à se dire que je vais essayer de dédramatiser ça en sachant que ça va s'arrêter, il va falloir que ça s'arrête. Mais aussi... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, le frère a raison. Le fait de dénoncer ces choses-là, dès que c'est arrivé, ça permet de mettre la personne face à son acte, plutôt que de trouver une façon de désamorcer ce qui s'est passé. Je pense que maintenant, avec le recul, si j'avais dénoncé ça tout de suite, il y a plein de choses que j'aurais pas vécues par la suite. Et il y a plein de choses que toi aussi, ma soeur, tu n'aurais pas vécues par la suite. Et ne pas avoir peur de ce qu'on va dire parce que c'est une personne qui est connue ou parce que c'est une personne qui est placée dans la société. Il faut que, quand tu es atteint, il faut dénoncer tout de suite. Il ne faut pas laisser les choses faire. Et toutes ces sœurs-là qui pensent qu'en désamorçant de cette façon-là, elles vont s'en sortir, c'est faux. Ça va être davantage, parce que c'est quelque chose après qui fait des remords. Pourquoi je ne me suis pas levée avant pour dénoncer ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Et la personne est sur sa position en disant, bah, après tout, elle a accepté. Ok, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, il y a beaucoup de souffrance, hein, entre les violeurs de jeunes femmes, parmi les pasteurs et les arnaqueurs, tout ça, là, on ne sait plus vers qui se tourner, là, c'est bien sûr vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle confusion aujourd'hui dans la chrétienté, il y a une telle confusion, hein, les violeurs, les dépouilleurs, les voleurs et sont adulés. Ben, c'est écrit de toute façon, hein, et voilà. Ils sont en liberté. Ils s'associent entre eux, ça viole les jeunes femmes, hein, ça accapare des églises, et ils veulent à tout prix faire des ministères sur YouTube. C'est la confusion généralisée, la confusion totale. Voilà. Et une jeune fille comme ça, violée, on va l'accuser de Jézabel, sorcière, elle veut détruire l'église, c'est ça, non ? Oui. Voilà, envoyé par le diable pour détruire l'église et tout ça, là. Donc on va lui coller. Envoyé pour faire tomber tous les hommes mariés. Ouais, c'est bon, ouais. Donc envoyé, on t'a traité de quelqu'un qui t'a envoyé pour détruire tous les hommes mariés. Par la femme elle-même, que oui, déjà avec tous les hommes qui me draguaient. Donc elle-même, elle savait qu'il y avait des hommes qui me draguaient. J'ai choisi son mari, qui est un véritable homme de Dieu, pour le détruire. Pour lui coller ça sur le dos. Après avoir... j'étais une sirène, que j'étais là, je voulais faire que tomber les hommes mariés. Que si je viens pas leur demander pardon, je vais devenir folle.
Oui, que ouais, là, ouais, c'est ça qu'ils avaient dit, ouais, que oui, je vais devenir forte. Malheureusement, ce que l'on constate souvent, c'est que les femmes de ces violeurs prennent toujours leur défense, hein, donc au lieu de chercher la vérité, elles cherchent toujours à couvrir le péché, le mal, au lieu d'agir comme Abigaïl dans la Bible, la femme de Nabal, qui n'a pas pris position pour son mari qui était dans le faux, qui était un méchant homme, et qui a pris plutôt position pour la vérité. Et non, ces femmes, elles couvrent les bêtises de leur mari. Un pasteur qui demande le numéro de téléphone d'une fille doit déjà vous paraître bizarre. Voilà. Ça, les pasteurs qui demandent les numéros de téléphone des jeunes filles, hein, tout ça pour appeler, pour quoi faire, tout ça, là, qui appellent à 22h, 23h. Il y en a beaucoup, hein, que nous avons dénoncé, que nous dénonçons tout ça là, depuis des années. Et d'ailleurs, c'est même à cause de cela que nous sommes la bête noire, hein, de beaucoup de pasteurs. Et voilà. Donc, on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. L'équipe technique, aide-nous un peu pour le retour du son là, ici. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Patrick de Besançon. Patrick, ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Je me permets de vous appeler pour apporter des renseignements comportant certains comportements des pasteurs. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai eu pas mal d'enseignements sur les comportements de pasteurs et qui faisaient des rituels sataniques au niveau de l'Afrique en allant invoquer au niveau des sirènes pour avoir de la puissance et la manière de la puissance dans les églises, dans les assemblées, pour faire marcher leur assemblée. Mmh. Et donc j'ai découvert des choses horribles, ils sont obligés de violer des enfants pour pouvoir, surtout des vierges, pour pouvoir avoir du succès dans leur assemblée. Moi ça m'a beaucoup choqué, c'est pour ça que je voudrais avertir ce soir beaucoup les parents, beaucoup de gens qui vont dans les assemblées, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, bon excusez-moi, mais ils sont d'origine africaine, qui font ces rituels en Afrique. Et donc, ils invoquent avec des marabouts, je ne sais pas comment ils appellent ça, donc ils invoquent des sirènes, ils invoquent pour avoir de la puissance. Et donc, ils couchent avec des sirènes, ils font des choses comme ça. Et donc, moi, ça m'a beaucoup choqué. Et c'est pour ça que j'interviens ce soir, pour avertir les parents, pour avertir les jeunes qui sont obligés de coucher, de violer avec des enfants pour avoir du pouvoir dans leur assemblée. Et ça, moi, ça m'a choqué. Et okay. En voyant donc cette jeune fille ce soir qui a été touchée par ça, je pense qu'elle a été touchée par un pasteur qui a dû sûrement faire des rituels comme ça. Certainement, parce qu'avec son produit, là... Voilà, certainement. Certainement. Il y a beaucoup de pédophilie aussi, hein, dans les églises catholiques, malheureusement, avec des prêtres. Mais c'est vrai que c'est une situation qui, de plus en plus, devient inquiétante. Et très inquiétante, parce que quand j'ai entendu son témoignage, j'étais complètement estomaqué, dépassé, blessé. Hein, en tant que parent, et c'est inconcevable. C'est pas possible. On peut pas comprendre qu'une église qui est censé apporter la vie, soit, n'est-ce pas, dirigé par une bande, hein, de loups, des prédateurs comme ça, là, qui guettent le moindre faux pas, là, les jeunes femmes, là, pour pouvoir leur sauter dessus. C'est quand même impressionnant ce qu'elle a vécu, là. Elle a du courage, hein. Tu as perdu combien de kilos déjà, là ? 21 kilos. De un mois et demi. Un mois et demi. Quelques semaines, puisque c'était à partir du 23 décembre jusqu'au 20 janvier par là, j'avais déjà perdu 21 kilos. Waouh. Donc voilà. Ok, merci Patrick en tout cas. C'est pas évident. C'est dur. C'est dur, mais le Seigneur est vivant et encore, hein, donc je disais aux parents. N'envoyez pas vos enfants se faire massacrer comme ça, là, et prier avec vos enfants à la maison. Mmh. Dieu est esprit. Hein? Dieu est esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller dans les assemblées. Là où Christ n'est pas glorifié, n'y allez pas. Hein? Et ne faites pas aveuglément confiance comme ça à vos prophètes, à vos pasteurs, tout ça. Priez, vérifiez, menez vos enquêtes. Voilà. N'allez pas livrer les jeunes filles comme ça, vos enfants, à des individus dont vous ne connaissez pas la moralité. Quoi. C'est terrible. Voilà. Et les jeunes filles, pareil, un pasteur qui vous demande, qui vous donne rendez-vous quelque part pour vous prendre en voiture, faites attention. Faites attention. C'est des choses qu'on doit vous dire pour ne pas tomber dans leur piège. Parce que y a beaucoup de cas comme ça. Il y en a beaucoup. Je n'arrête pas actuellement de recevoir de telles plaintes. C'est quand même assez impressionnant. Et nous recommandons à ces gens-là, nous les conseillons d'aller voir les autorités pour déposer des plaintes. Voilà.
Donc, quand on a besoin d'avoir un passeport, une pièce d'identité, une maison, quand on est malade, on se réfère aux autorités. Eh bien, quand il y a des cas de viol, eh bien, les écritures sont claires là-dessus. Eh bien, on se réfère également aux autorités pour qu'elles jugent ces personnes et les arrêtent. Voilà. Donc, c'est quand même terrible. Je prie vraiment que d'autres filles qui sont dans cette assemblée soient éclairées par ce témoignage et qu'elles puissent dénoncer toutes les exactions commises sur elles. Allô, bonsoir. On a quelqu'un d'autre en ligne, je crois. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, excusez-moi, j'appelle par rapport au message de la jeune sœur. Je voudrais juste la fortifier. Vraiment que Dieu l'aide à passer ce cas, parce que franchement, le message que j'ai entendu, ça m'a choqué. Moi, j'ai une jeune petite fille. Du coup, j'ai été estomaquée, enfin, scotchée. Je n'ai pas de mots. Vraiment, je n'aurais pas imaginé que dans des assemblées, on puisse vivre de telles choses. Comment on y va pour louer Dieu, pour chercher Dieu, pour prier Dieu, pour être en communion, puis que de telles choses puissent arriver au milieu d'une assemblée, je trouve ça choquant. Et donc, je voudrais vraiment fortifier notre jeune sœur, soit fortifiée, que le Seigneur puisse te restaurer, que le Seigneur puisse panser les plaies, que le Seigneur te donne sa paix, qui te donne la force de pouvoir surmonter ça, parce que je trouve ça atroce, je trouve ça vraiment dur, je trouve ça choquant. Et en plus, dans le milieu chrétien, où on évoque le nom de Jésus, donc vraiment, plus ça va et plus je me rends compte qu'on n'a plus la crainte de Dieu, qu'il y en a qui n'ont plus la crainte de Dieu, et que nos enfants, malheureusement, par manque de vigilance, nous, nos parents, voilà ce qui peut arriver, quoi. Voilà. Et il y a même, ma sœur, pour ton information... Ce témoignage, ça nous permet pour nous aussi, mamans, parents, qui avons des enfants dans les assemblées, ça nous permet, malgré ce qui lui arrive, malgré la douleur qu'elle peut... endurer, ça permet à d'autres effectivement de ne pas commettre ce genre d'erreur, quoi. Mmh, donc, effectivement. Vraiment, je suis effondrée, en fait. Que Dieu nous garde, en tout cas. Merci pour ton appel, ma sœur. Voilà, il y a aussi un grand pasteur, selon les hommes, très connu sur Internet, et qui a en fait des maîtresses, alors que c'est un homme qui est marié. Hein. Tout le monde ne jure que par ce monsieur aujourd'hui. Et bientôt, on va certainement le dénoncer, mais je veux d'abord... devoir l'appeler pour lui demander d'aller lui-même confesser publiquement, parce que c'est quand même grave ce qu'il fait avec les jeunes femmes dans les coulisses. C'est quand même terrible, ça m'a choqué. Hein. Donc des hommes mariés qui vont prêcher sur Internet, qui drainent des foules et qui, dans les coulisses, ont des petites maîtresses un peu partout, dans chaque ville où ils passent. Et ils sont tous sacro-saints. Ça y est, c'est le monde à l'envers. Nous sommes vraiment à la fin de temps et c'est la confusion généralisée. Que le Seigneur nous garde. En tout cas, merci pour ton courage, hein, et sois encouragé. Donc, que Dieu soit béni. On attend justement comment les choses vont se passer avec la plainte que tu as déposée. Et voilà. Donc, on va prendre la dernière personne qui appelle en ligne. Qui appelle. On va la prendre au téléphone. Allô, bonsoir. Ok, d'accord. Allez-y. Vous pouvez parler, on vous entend. Oui. D'accord. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. J'interviens par rapport à ma jeune sœur. D'accord. C'était pour te dire, à chaque chose, il y a un temps pour tout. Et le temps de la fin de cette histoire, de ce cauchemar que vous avez vécu, est arrivé. Et je pense que je crois que le Seigneur vous aime beaucoup. Allô? Allô? Vous pouvez parler, on vous entend, on vous écoute. Oui, le Seigneur vous aime beaucoup, c'est la date de péremption de la vie impudique et de cet homme. Mm-hmm. Et de la manière dont le Seigneur t'aime là, je pense que s'il a permis que les choses soient mises à nu, à découvert comme ça, c'est parce qu'il t'aime et veut te restaurer. Il te protège de comment dirais-je ça. Ce que je ressens, c'est que, voilà,
c'est la fin de ce cauchemar que tu as vécu et qu'aujourd'hui, voici une nouvelle vie qui va commencer pour toi. Mais ma sœur, engage-toi maintenant totalement au Seigneur. Ne fais plus marche arrière. Consacre maintenant ta vie à Jésus. C'est lui qui va te laver, te gommer, te purifier, te sanctifier à la gloire de son nom parce que tu es sa princesse. Toutes ces œuvres mortes qu'il a laissées en toi là, seul l'éternel Dieu va ôter et extirper tout ce qui n'est pas de lui dans ton âme parce que ton corps aujourd'hui lui appartient. Si et seulement tu le dis, hein, c'est bien beau tu as dénoncé, mais maintenant, laisse ça derrière. Quand tu t'abandonnes à Dieu, je dis c'est lui-même qui va redorer le blason de ton âme. Adonne-toi à lui pour le restant de ta vie maintenant. Il te donne une progéniture de mort ou pas, adonne-toi, il est ton époux, il est ta vie, il est tout pour toi, il est ta raison d'être et de vivre aujourd'hui. Et prie pour cet homme. Moi, j'ai été victime de beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai compris que l'Éternel est mon combattant de l'île, l'Éternel est mon juste juge. C'est vrai, on va aller l'accuser, il va aller dans... Il va aller dans les tribunaux et tout, avec tout ce qui se passe là, même en Europe aussi, il y a une certaine magouille qui il va donner là, ça va passer, mais dis-toi que ce, le pur là que l'Éternel va asperger dans ton âme est plus pur que ce, la parole que le juge va donner. C'est la vie de ce monde-là, c'est la perversion que nous vivons en ce temps de la fin. Je suis touchée, j'ai des enfants comme toi, et ce n'est qu'à l'Éternel que je confie leur destinée. Gloire à Dieu, ma sœur, merci. Merci ma sœur, merci. Voilà, donc merci en tout cas. Donc là, tu es française mais d'origine camerounaise. Donc tu as eu aussi affaire aux faux prophètes au Cameroun là-bas. Hein, ouais, donc ouais. Toujours dans le but de soi-disant de trouver la solution à tes problèmes. Mm. Voilà, donc ça on en parlera peut-être une autre fois. Mm-hmm. Voilà, donc je voudrais dire aux chrétiens qui sont très très spirituels, soi-disant TTS comme j'aime le dire. Et qui vont dire non, mais il ne faut jamais porter plainte, il faut laisser Dieu justifier. Mais arrêtez un peu d'être trop léger comme ça. Là. Hein? On est spirituel, oui, mais on est aussi sur terre. Il y a des réalités. Hein? Si vous ne voulez pas vous référer aux autorités quand il y a des problèmes, dans ce cas-là, hein, rendez vos passeports, ne voyagez plus parce que c'est les autorités qui les produisent. Rendez vos cartes d'identité, n'allez plus prendre les allocations familiales que vous avez quand vous faites beaucoup d'enfants comme ça. Là. Tout ça. Donc, il faut qu'on arrête un peu d'être trop illuminé, là, tout ça. Là. D'accord ? Donc, c'est facile après, quand une fille comme ça est violée, c'est facile de dire non, mais Dieu va s'occuper de tout ça. Là. Oui, mais Dieu a dit. Dieu a dit que les autorités sont là pour notre bien. Paul le dit dans Romains, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain que le magistrat porte, n'est-ce pas, l'épée. Hein? Parce qu'à l'époque, c'était l'épée qui était portée. Allons voir dans Romains 13, on va finir par là. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont, ils ne sont pas sur terre, là. Ils sont dans un autre monde. Là. Hein? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Hein? L'équipe, on est déjà au verset 2. Car ce n'est pas pour une bonne action, verset 3 à l'équipe, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à craindre. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras sa louange. Car le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu ordonné pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est la parole qui le dit. C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, parce que les magistrats sont les serviteurs de Dieu s'employant à rendre la justice. Rendez donc à tout ce qui leur est dû. Hein, rendez donc à tous ce qui leur est dû. Rendez donc à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, le péage à qui vous devez le péage, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez la crainte. Dieu dit ici par Paul. Paul, Dieu l'utilise pour dire aux chrétiens de Rome et à nous autres que les autorités, les magistrats notamment,
sont là pour rendre justice. Il y en a qui sont corrompus, nous sommes d'accord, tout ça. Mais voilà, nous sommes dans des pays organisés. On n'est pas dans une jungle où les gens vont faire n'importe quoi. Même s'il y a une jungle spirituelle, c'est vrai, il y a un peu l'anarchie, il y a même beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde. Nous sommes d'accord, mais néanmoins, la sœur, elle n'a pas de haine contre ces personnes-là. Mais elle leur a pardonné, mais la justice doit faire son travail. Parce que les Écritures nous disent que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà. Si cet homme n'est pas arrêté, s'il n'est pas dénoncé, eh ben, imaginez le nombre de victimes qu'il va y avoir. Voyez ? Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on soit réglé, qu'on soit équilibré, qu'on soit juste. Et voilà. Donc que le Seigneur soit béni, je pense que tout le monde a compris. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Dénoncer ces pratiques-là, ce n'est pas condamner ces personnes-là, parce qu'on aimerait bien les voir sauvées, parce qu'on prie, si c'est possible encore, que ces prophètes, ces pasteurs se convertissent véritablement. Ça, c'est notre prière. Voyez ? Et la sœur a été beaucoup détruite, beaucoup blessée. Il y a eu un travail que le Seigneur a fait, que le Seigneur continue à faire aujourd'hui, pour qu'elle soit restaurée. Tout ça, c'est des familles qui sont brisées quand c'est comme ça, parce que ses parents sont très blessés. Et papa est blessé, maman est blessée. Donc je tenais ce soir à encourager ses parents vraiment. Voilà, je les encourageais. Je les encourage à persévérer dans la prière et voilà, je leur dis en tout cas bon courage parce que c'est pas facile, on a tous des enfants. Que le Seigneur en tout cas soit glorifié. Merci à tout le monde et nous vous donnons rendez-vous demain 20h30, demain 18h30, 19h pour la formation de Didasco pour ceux et celles qui se sont inscrits. Que Dieu nous garde au nom de Yeshua. À bientôt, au revoir.